Bon, du coup, bonjour à toutes et à tous, hein, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour. Voilà, petite course en ligne. Je ne suis pas seul, comme vous l'entendez, puisque vous avez Emric Kawa, qu'on va appeler Emric parce que c'est plus simple, qui est avec moi, que vous retrouvez en championnat SCTC. Et si vous ne le connaissez pas, eh ben tant pis pour vous. Dommage. Parce que c'est un garçon charmant. Alors, combien de courses 8. Combien de tours, pardon, plutôt. Ouais, c'est 8 tours. Donc je mets 9 de carburant parce qu'on ne sait jamais. En qualification, ça sert à rien, il reste 3 minutes 30, donc on va juste avoir le temps de faire une tentative, donc ça sert à rien d'en mettre plus non plus. Ah bah voilà, hein. Ah bah go for it, comme on dit. Alors par contre, en termes de vue, je sais pas ce que je vais vous sélectionner. Un carburant, là, j'étais à 19 tours, moi, c'est... Ouais, on était à fond, hein. Alors j'espère que vous entendrez bien. Hop. On va se mettre sur le côté parce qu'il y a des garçons en tour rapide. Ah non, ils se déconnectent. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi la voiture a l'air d'avoir énormément d'appui aéro, on a une prévision de pluie faible pour la course. Donc en prévision de la course, puisque c'est là qu'on marque les points, évidemment. On n'a pas hésité à mettre beaucoup d'appui, donc une qualif qui sera pas très importante, je pense. Il faudra juste réussir à sortir vivant du S de ton bourreau. Ah, c'est hein. Clair. Ce sera juste, je pense, l'objectif. Est-ce que tu es déjà en piste? Oui. Ok. Tout seul en plus, donc pas embêté. Et je pense que tu es devant moi. T'es où, chicane haute? Non, je suis à l'épingle gauche. Ok, la tose. Moi je sors d'Aqua Minerali. Y'a personne non plus. Enfin, on va pas parler trop vite. Par contre, les pneus avant, vous chauffez quand vous voulez. Ouais, c'est clair. L'avant, ça chauffe pas beaucoup. Alors, je rappelle évidemment que je suis toujours sans pédalier de type fonctionnel. Hein. Donc, je suis toujours avec mon vieux pédalier cassé. Donc, si je roule avec l'ABS, ne m'en tenez pas rigueur. Mais sinon, eh ben, je roule pas. Comme ça, moi, c'est réglé. Est-ce que je peux passer en 3 le dernier gauche pour la relance? Ouais, ça va, il y a assez de couple. Alors attention à ne pas aller trop à droite sur la partie verte dans la ligne droite descente parce que sinon on peut avoir une pénalité de virage coupé, j'ai vu ça. Ah bon? Ouais, donc il faut pas être trop gourmand. Allez, on est parti, on a une piste bien dégagée, on pourra faire un chrono pas plus, quoique même pas. Je suis pas sûr qu'on pourra faire le chrono là. Parce qu'en Formule C, ça attaque pas autant qu'en... En formule A ou B. Ah bah il commence à pleuvoir, voilà pourquoi. Ah oui, on voit les gouttes, ouais. Oh là là, si on arrive à rentrer un chrono sur le sec, à partir P1 et 2, ça va être très beau. Ça. Ah magique, les gens qui s'arrêtent sur le côté, comme ça. Et voilà, bah oui, merci. Alors la formule C, c'est pas très courant. En multi, généralement on a des tapés qui disent Formula, puissance, DRS, tout ça. Mais c'est pour moi une super monoplace, je trouve. Pas trop compliqué. Ah, c'est une bonne formule de promotion, ça. Non, non, c'est excellent. On verra aussi avec la Formula Race Room 3, nous, l'année prochaine. Alors, pas trop de vibreurs à la chicane haute. Ah là, il commence à avoir beaucoup d'eau. Enfin, je commence à vraiment avoir des gouttes. Ça va être tout juste au niveau du chrono. Il reste 3 secondes, j'aurai pas le chrono. Fini. Ah, et ben voilà. Ah, mais j'ai des gens merveilleux qui s'arrêtent au milieu de la piste quand tu fais ton chrono. C'est. Ah, on part 8 et 9. Ah, vraiment, les meilleures qualifications où tu peux pas finir ton chrono. Ça, c'est vraiment. Vraiment un bonheur. Qu'est-ce que ça vous foutrait de laisser tout le monde finir son tour avant de finir la séance? Ah, mais c'est ça. Putain, laisser terminer les gens. Ah là là. Bon, bah, du coup, la course. On va 8 tours avec pneus adaptés à la condition météo. On est en slick. Magique. Ouais, on va se taper la pluie au milieu. Ah, ça me rentre dans le cul dès le départ. Allez, ça part pas sur la ligne d'arrivée. C'est magique. Wow. Ah, il y a Max qui est là, mais c'est pas le nôtre. Oh, s'il vous plaît. Oh là là. Oh, il y a la téléportation à foison. Oh là 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 là. Ah oui, le Max, je l'ai bien envers.
Ah, comme le nôtre, hein, finalement. Max, tu nous entends? Tu nous manques. Attention, parce que du côté de la chicane basse, ça sort moultement dans le gravier. On zigzague comme un sagouin. Et on nous referme la porte dessus parce qu'on a une connexion roumaine. Ah oui, la téléportation, oui, magique. On est P3. Ce qui est déjà un bug en soi. Ah, je suis P7 là, je suis remonté P7 du coup. Voilà la téléportation. On vient de me rentrer dedans à Piratella. Je vais prendre une pénalité parce que je suis allé au large. Parce que évidemment, on me fout dehors, donc je prends une pénalité. Et oui, j'arrive. Vas-y, passe à gauche. Non, passe pas en fait. Non, je pensais que t'étais plus rapide, pardon. Ah non. Alors, on prend une pénalité? On sent des pieds? Allez, salut. Hein. Ah, on va être P2. Ouais. Pareil. Ouh, la téléportation, c'est magique aussi. Ouais, il a failli te rentrer dedans, le mec. Ouais, bah il y va. Hein. Il t'a rentré dedans. Voilà. Ce qui est horrible, c'est que tu vois, moi, là, je prends une pénalité. Et c'est là que je déteste Project Cars. Salut. C'est là que je déteste ce jeu, parce que il y a tellement de boulot qui devait être fait et que les développeurs nous ont promis qu'il n'est pas fait. C'est juste scandaleux. Ah bah c'est comme que, la sortie du speaker corner. Ah, je me fais rentrer dedans par une téléportation, c'est magique. Ah, chez moi t'es tout seul, hein, donc... Alors j'ai fermé mon site de porno albanais, donc... normalement, il devrait pas y avoir de problème de ping de notre côté. Ah, tu parles albanais, toi. Oui, mais tu sais, hein, les dialogues, c'est pas le plus important. Hein. Écoute, on apprend comme on peut, hein. Ouais. Je sais pas si... Ouh, j'ai freiné tard. Oui, ça passe. Bon, tu sens qu'en ligne droite, avec l'aéro qu'on a mis, là, c'est... Ouais, j'ai mis beaucoup trop d'appui. Et moi, on m'a vendu une pluie fine. Peut-être qu'on va avoir notre salut d'ici quelques minutes, hein. Il y a 8 tours, donc s'il se met à pleuvoir vraiment... Ouh, j'ai peur, les deux devant, là, je sais pas si t'as vu. Ouais. Bah qui s'y mettent hein, dedans, nous on attend, hein. On va passer, on va faire P2, P3, on va être content. Je l'ai vu sauter, surtout sauter en avant, la connexion en carton. Ah, le leader qui est déjà au freinage de d'Aqua Mineral, il perd pas de temps. Oula, ça y est, c'est fait. Du coup j'ai bien freiné. Je sais que normalement on pourrait passer en troisième ici, mais... Avec l'étalonnage de boîte qu'on a. Salut! Prends la spi! Ah, ah il voilà. Y en a qui. Ah, il y a une demi-voiture arrêtée. Magique. Bon, du coup. Ça confirme une chose, c'est qu'il y a les dégâts. Tente de la ramener au stand, à mon avis. Oh, il y en a que deux qui ont essayé sur trois roues, ils y sont. Ah, si, Schumacher y est arrivé. À Spa. Senna à Spa aussi. 91, si j'ai bonne mémoire. Adelaide aussi. Je vois que tu as allumé aussi ta petite lumière pour qu'on te voit. Mais non, en fait, c'est tout bête, mais vu avec la période de la journée, pour voir mon tableau de bord, je dois allumer en fait. Ah oui, aussi, oui, le modèque. Parce que sinon, il fait trop sombre. Et on est à 2 secondes de la deuxième place. On est bien, hein. Bon, voilà, on a perdu la moitié du peloton là. Oh là là. Derrière, ouais. Le deuxième qui zigzague, il chauffe ses pneus. Ah bon, le pneu avant est froid. Les deux pneus avant. Ouais. Par contre, c'est bien, usure des pneus, tout. Il y a ce qu'il faut. Alors, le deuxième est très lent. Donc, on peut potentiellement aller tous les deux le chercher. Oh là là, oui, il est complètement de travers. Oh oui! Eh ben, on freine très très tôt de son côté. Ah, ça sent la connexion... polonaise. Ouais, ouais. Alors, faut toujours être très prudent quand tu sélectionnes un pays dans ce genre de choses, parce que tu peux très vite te prendre dans les commentaires, genre, qu'est-ce que t'as contre les Polonais? Oui, pardon pour tous les Polonais, je vous aime tous. Voilà. Robert Kubica, si tu me regardes. On te salue, parce que nous on a encore une main, on peut. Ah, ça rentre au stand sur trois roues, visiblement il y est arrivé le garçon. Ouais, ça moi je préfère des mecs comme ça qui finissent là, qui tentent, tu vois. Qui déconnectent pas parce qu'ils ont un problème mécanique ou autre chose. Mais on a perdu, regarde, on a perdu la moitié du peloton quoi. Oh. On est 7, on était quoi, 14? Il y a toujours moyen d'y croire, faut aller jusqu'au bout.
Ah, meilleur ingénieur du monde sur Pekara. Il semblerait que la meilleure opportunité soit au freinage. Bah oui. C'est ce qu'on pense aussi, hein. J'ai obligé de chauffer mes... Ah oui, les pneus avant, c'est... Pourtant, j'ai déjà baissé la pression pour qu'il frotte un peu plus, mais je crois que j'ai descendu à 1,20. D'ailleurs, j'espère que pour Project Carzo, on aura des kilos et plus des barres. Oui, mec chiant, en fait. Bon, Genghis, il va falloir qu'on s'explique, mon garçon, parce que là... Déjà, tu freines beaucoup trop tôt. Ah, grâce à ça, je reviens un petit peu. Mais... Ouais, bah ça va, 4 secondes. Il reste quoi? Allez, on va arriver seulement à la mi-course. Ah. Il a 52 de ping, donc ça va. Ah, drapeau jaune premier secteur. Enfin, troisième secteur, ou c'est premier secteur? Oh, là, il va en prendre une. Et la pénalité, et on passe P2. En même temps, il a fait un détour par Bologne à la sortie de la chicane. C'était chaud de pas avoir une pénalité, quoi. Il a dû se prendre 10 secondes parce que je l'ai rattrapé, du coup. Ah oui. Oh non, je pense qu'il en a pris que 5, mais comme il était à l'arrêt, le temps qu'il relance... Je pense pas que tu peux prendre 10 secondes. Je... Sur PK, oui. Quel beau jeu. Ah bah, tu prends le speaker corner, si tu sors un peu trop large, c'est fini. Ah, il t'en met 10, putain. Bon bah voilà. Je vous invite à prendre 5 secondes, hein, vu qu'il se passerait pour mettre un pouce bleu. Ah non, je peux plus. Ah, faut faire une vidéo. Ouais. Supprime ma chaîne si... Je supprime ma chaîne si vous mettez pas 15 000 pouces bleus. MDR. YouTube va mal. Ouais. Bah, c'est un débat que j'ai pas souvent parce que habituellement je demande rarement un pouce bleu. Ouais, mais toi. Même un pouce bleu, je le demande pas. T'en as beaucoup qui en ont abusé quand tu regardes. Hein. Tu ne pas de nom pour pas se faire d'ennemis. Mais... Ouais, t'as raison. Toi, tu risques rien, mais moi je peux pas. Neutre. Ou alors tu cites des noms et je les bip au montage et j'oublie et fin du YouTube game pour moi. Non, sincèrement, les rares fois où j'ai demandé des pouces bleus, vraiment, c'est lors des premiers épisodes des fins 2016, où je passais quasiment 10, 12, 15 heures de montage pour vous sortir des vidéos d'une heure, où là, je dis, bon, les gars, quand même, le référencement est important, j'ai vraiment travaillé pour gagner quelque chose de cool. D'ailleurs, récemment, j'ai sorti une petite vidéo sur la version 2016 de Richard Burns Rally, qui marche bien. Ah, franchement, ouais. Et je me demande si on va pas faire un petit peu plus de Richard Burns Rally, même si ça pique les yeux, c'est moche. Bah, on va peut-être quand même repartir sur quelques vidéos sympas sur ce jeu. Bon, écoutez, il va nous rester 3 tours, on est P2. J'ai beaucoup trop d'appui. Ouais, et moi ça revient très très fort derrière. Hein. Parce qu'il est à 1 seconde 2, le garçon. Failli se faire surprendre sur le vibreur. Alors, ce qui est chiant avec cette Formule C, c'est qu'on peut s'accrocher au vibreur, mais pas trop. Oui, c'est tendancieux. Mais on peut. Alors que le leader est déjà à Piratella, quoi. 22 secondes d'avance. Elle est déjà une connerie, quand j'ai dit tendancieux, j'allais dire comme les Black Dandy, si tu nous regardes. D'ailleurs, on parle souvent entre nous de la fameuse VOD perdue. Alors, tu n'étais pas encore avec nous à l'époque, mais on avait fait une open sur Project Cars avec la Ford Falcon. On aurait pu se prendre, je pense, tellement de procès de différentes associations, que ce soit de communautés d'orientation sexuelle, féministe, etc. On a tellement dit de choses atroces que je n'ai pas osé la mettre en VOD sur YouTube, notamment grâce à Andy. Le meilleur pilote de safety car qui, je crois, sur cette saison a fait un tour. Ouais. Elle est pas sortie une fois, je pense, de la saison. Ah bah tiens, il a abandonné, maintenant je me retrouve derrière toi. Bon. Ah ouais, bah voilà, on est plus que 5. Gros peloton en tout cas. Hein. C'est... Ah, c'est. Ça va au bout.
Ah, ça c'est ce qui me... Ça et les drapeaux bleus, les gens qui respectent pas ça. Appelez-moi Vettel, franchement c'est... Ah, ici ça va, le drapeau bleu, il y a plus personne. Ouais, non. Si je te dis que je suis à une main sur le volant, tellement c'est cool. Ah oui, d'accord, le P4 est à 1 minute 59. Donc... Bah, je pense que c'est notre garçon à 3 roues. Course à élimination. Ah bah là. C'est dommage parce que ça partait bien. On va pas dire que c'était propre au départ, on va dire que c'était bien. Ça va, ça va. Je pense que c'est plutôt le gars qui s'est téléporté qui a mis un peu le bazar plutôt que vraiment le jeu lui-même. Bon bah la pluie c'est... je sais pas c'est quel organisme qui fait la météo mais... Ouais, ils ont dû téléphoner à l'aérodrome de Stavelot pour avoir l'info parce que là... Franchement, celui qui a mis pluie fine sur le menu, je sais pas ce qu'il a vu mais... Du coup trop d'aileron, pas assez de vitesse de pointe, ça. On surchauffe, les pneus arrière ça va, avant ça chauffe pas par contre. Non. Attends, je suis à 104 de température d'huile. Ça va température d'huile je suis à 109 moi. Ah, ça va moins bien pour toi, fais gaffe quand même. En 10, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe à ça. Parce qu'au tout début, à l'époque, j'avais fait une course sur P4, je faisais pas gaffe à la température d'eau, puis on était à Laguna Seca. Paf. Et tout le monde donnait sa température, et moi je suis là, je fais 117 degrés, et t'as pas ce qu'il fait. Eh ben salut hein. Le et deux tours après, plus de moteur. Voilà, plus de moteur. Voilà, voilà, voilà. Voiture lente devant. Je viens d'avoir un drapeau blanc, ce qui est nouveau dans P4, je me rappelle pas en avoir vu. Drapeau blanc, franchement. Et on entame le dernier tour avec une pénalité. Je me suis emballé un petit peu, donc voilà. Petite 5 secondes histoire de calmer l'aventure, voilà. De pas trop prendre de plaisir non plus. Alors, je suis un peu inquiet parce que quand j'écoute mon volant, j'ai l'impression qu'il nous joue une mélodie Atari 2600 avec les vibrations, en fait, ça fait... Tu sais, comme les vieux lecteurs de disquettes. Ouais, ouais. Et je sais pas si c'est normal, mais j'avais pas eu ça, ou alors c'est parce que j'ai le casque un peu sur le côté que j'entends pas d'habitude. Mais Ah, tu joues aussi avec l'oreille en dehors. Oui, parce que je n'ai pas de retour son de ma voix dans le casque, donc je m'entends un petit peu comme ça. Ah, c'est pareil. Et bien voilà, chicane haute. Magnifique pluie sur Imola. Ouais, vraiment. Heureusement que j'ai fait des trous dans ma visière. Ah si, sinon, il pleut, il commence à pleuvoir à la fin. Magique. J'ai des gouttes. Pas de mon côté. T'es sûr que c'est pas un pigeon qui est passé et puis t'as... Non, parce que bon... Ouais. Ah, peut-être une mouette, on est pas loin de la mer. Qui... j'ai eu un peu de flotte, mais... Ah, j'ai rien eu du tout, j'ai pas une goutte. Bah voilà. Petite P2. Et ben, P3. On est sur le podium, c'est magique. Après, il en restait 5, hein, mais bon. On soulage. Et ben voilà. J'aime beaucoup la livrée de ma voiture. Alors, s'il y en a qui se rappellent un petit peu en 98-99 en Formule 3, Jenson Button avait une livrée assez semblable. Je sais pas si c'est la référence, mais en tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Alors qu'il pleut, bah merci beaucoup en tout cas pour... Pour les prévisions météo, hein, de type qualitative en tout cas. Ah, c'est ouais, très j'ai failli monter des intermédiaires de peur d'avoir... Bah heureusement que non, hein, parce que voilà. Ah, ils auraient peut-être chauffé à l'avant, comme ça. Remarque, ils auraient peut-être fini lisse à l'arrière. C'est ça. C'est magique, t'as le pneu qui est au milieu de la piste, le pneu est rond. Ah, et alors, grâce à la magie du direct, je peux vous annoncer avec 2 jours de retard que je ne devrais pas sortir pour aller acheter une carte à gratter pour faire l'extension Blizzard parce qu'on vient de m'envoyer un code. Ah. Formidable. Et ben voilà, comme ça je vais pouvoir vous faire le live prévu ce soir. Ah, les gens vont dire YouTube Money. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est sûr. Ben voilà, on termine avec un gros classement. Hein. Franchement, là...
Le mec a 13-32 devant, 15 minutes derrière, c'était pas mal. Bah écoute, on va se laisser là pour cette course en ligne qui aurait été un peu courte, voilà, mais bon, courte, on discute intense, un petit peu. Dire. Non, je dirais courte et pas intense. Franchement, parce que là, c'est pas honteux. Voilà, ils sont même partis, il n'y a plus personne dans le lobby, il n'y a plus que nous abandonnés. Bah, on va voir si on peut continuer sur notre lancée et vous proposer une autre course. Bah, voilà, merci à toutes et à tous et rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon amusement en piste. Salut. Salut, ciao, ciao.